Salutations, et oui, la preuve que je triche pas. Hein. On se retrouve du coup pour un nouvel unboxing. Enfin, ma little box est arrivée, celle du mois de décembre, oui. Donc, je fais un petit rappel. Et oui, on avait le choix du design de la box, donc deux couleurs. Hein. On avait le choix entre un bleu, on va dire un bleu, un bleu, un petit bleu clair bizarre, hein, et du vert un peu sapin. Voilà, donc moi, bien évidemment, j'ai choisi du bleu. Voilà, donc la box présente comme ça. Donc on peut y retrouver, qu'est-ce qu'on peut y retrouver? Oh là là, ça fait pas du tout Noël ou fête de fin d'année. Hein? Faut qu'on se lise. C'est des fleurs. Voilà. Bon, j'ai pris bleu parce que bleu, mais voilà. Et quand j'ai vu les deux coupes, parce qu'on voyait les deux couleurs, si je voulais respecter le thème, le vert j'aime pas le vert en plus, mais bon voilà. Enfin, j'aime pas le vert. Voilà, c'est. Non. Là, je sais même pas si. Enfin, si je vais la garder parce qu'en fait, elle est en format tiroir. Eh oui, format tiroir. Donc, oh, ça va, ma soeur, elle l'a bien remis. Parce que j'ai dit, je pense qu'elle l'a bien remis. Parce que déjà, le nœud, il est bien, à peu près bien fait. Voilà. Donc, voilà. Ah, j'ai la tête qui. Donc, voilà. Alors, hop. Hop, hop, hop. Donc là, on a du coup une petite carte. Il y a marqué jour de fête. Ouais. Bon, spécialement, je vais pas la garder, tu vois. Voilà, ça va direct dans ma. Alors, oh là là, par contre, j'adore. Oh. Alors, par contre, regardez si. Voilà, je voulais juste regarder s'il y avait. Un truc spécial. Alors, tarte et Sephora. Oui, parce que tarte, ça fonctionne avec que Sephora du coup. Ah oui, donc ce mois-ci, on a deux marques en collaboration. On a Tarte Cosmétique et MAC. Voilà. Donc, je regarde s'il y a un truc. Hein. Alors, il y a marqué la routine de beauté du boudoir. Ok. Donc ça, c'est pour que un truc, ok. Et ça. Ça, ouais. Et ça, ok. D'accord. Ok. Donc, on va passer. Je suppose que ce qu'il y a à côté. Voilà, c'est quand même des accessoires, je suppose. Voilà. Le premier accessoire. Voilà, donc dans le même packaging que le. Ça, j'adore par contre. Hein. Leur point fort, c'est ça, hein. Franchement, ma little box. Hein. C'est toujours accorder comment on appelle ça? Leur packaging dans les box. Oh, comment on dit? Ah! De paquets en même temps que la. Oui, je suis fatiguée. Hein. En même temps que la. Que la box. Pardon, je suis désolée. Hein. Accent doré. Bracelet doré pour briller en société. My little box. Donc, ça, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ça? Ils ont certainement. Les bijoux de la couronne. Pas besoin d'en faire trop pour régner sur le style de. Hein, le style, pardon, virgule. Deux jonques dorées au poignet et gling gling gling, c'est une golden party. Je pense pas qu'ils disent autre chose sur ça. Ok, c'est tout ce qu'ils ont dit dessus. Ah non, il y a derrière aussi. Pardon, excusez-moi. Alors, Coco Chanel disait, avant de sortir, retirez un accessoire, mais rococo, le style architectural qui prône le toujours plus, nous dit d'en rajouter, écoutez qui vous voudrez.
Ces bracelets dorés en métal recyclé certifié GRS sont, je sais pas ce que ça veut dire GRS, mais bon, voilà, sont parfaits. Sont parfaits en surtouche finale pour nos mondanités. Go rococo or go home. Ok, d'accord. Donc là, c'est écrit pas en français, mais en allemand. Ok. Oh! Regardez-moi ça. Et ben, je vais les tester tout de suite. Je sais pas quoi. Ah, comme ça. Et comme ça. Je testais avec ce bras-là, hein, parce que voilà. Voilà. Oh, ça va, j'aime bien. J'aime bien. Bon, lui, il y en a un, il fait classique quand même, et l'autre, il est torsadé, double, je sais pas combien de torsadement. Hein, voilà. Bon, Beverly, voilà. Voilà. Ça va, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Produit validé, spécialement. Produit validé, quoi. C'est pareil, j'ai pas fait le. Bah oui, j'enchaîne de toute façon avec celle de Blissim, donc voilà. Parce que j'ai reçu en même temps que celle que Blissim. Oui, Blissim, alors qu'on la reçoit généralement au début et même des fois avant le mois qui arrive. Voilà. Là, donc j'ai reçu. Ah oui, j'ai oublié de préciser, j'ai reçu le 22, le mercredi 22 décembre. Ma little box est. Normal parce que on est censé la recevoir aussi. Bon là ça fait un peu tard quand même. J'avoue que ça fait un peu beaucoup tard. Hein, voilà. Voilà. Mais bon, voilà. Donc ça ok. Donc le deuxième accessoire. Il y a marqué. Poudrez maintenant. Pinceau pour allumer l'éteint. Ma little box. Il y a marqué quoi? Miroir. Oh beau miroir de ma coiffeuse. Dis-moi qui est. Qui a beauté parfaite et pure. Vous permettez, on répond pour vous. Les plus belles, les plus stylées sont celles qui maîtrisent les poudres colorées comme des alchimistes. Et de toute façon, ce pinceau en bois certifié FSC est doux et maniable pour dompter les blushs et autres poudres. Alors, même si vous débutez, osez poudrer. Pour conserver ce pinceau en parfait état, nettoyez-le après chaque séance de make-up. Une goutte de savon au creux de votre main, frottez les poils de manière circulaire jusqu'à ce que l'eau ressorte claire. Rincez bien et laissez sécher à l'air libre. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, le packaging, hein, c'est pareil, du coup. J'aime bien. Ok. Oh, c'est un gros pinceau, hein. Il est marqué Malite. Ça va, ça pas. Je crois que ça va pas machiner. Du coup, là, il est marqué Malite Box. Là, il est un petit peu doré, ça se voit. Et là, il est comme ça. Il est tout doux. C'est sympathique. Hein. Oh, je pense que. Comment ça s'appelle? Laura, tu vas aimer cet accessoire. Ouais. Comme elle dit à chaque fois, on n'a jamais trop de pinceaux. Voilà. Donc, voilà. Je valide aussi cet accessoire. Et du coup. Ah, c'est bécloné. Donc, ça. Ah, oui. Donc, maintenant, on passe au petit pochon. Ça, j'adore. Toujours un corps, il n'y a rien de marqué. C'est pas plus mal quand il n'y a rien marqué. Tu peux faire des petites surprises comme ça.
Celui-là, je pense que je... Il y a marqué... Bon, il y a peut-être l'étiquette My Little Box, mais voilà. Donc, let's go. Qu'est-ce qu'on prend? On prend ça. Ah oui, on a toujours un produit de la marque de My Little Box. Elle s'appelle My Little Beauty. Du coup, là, on a une lotion tonique. Perfectrice. Ok. Et ils n'en parlent pas dans le truc. Bah non. Ok. Alors, eau de riz, acide hyaluronique et immortel. Alors, c'est tellement écrit petit, pardon. Hein. Si la lotion tonique a du punch, c'est surtout pour améliorer le grain de peau. Pour un... A... Hein? Pour un uppercut... Pardon. Pour un uppercut de fraîcheur, quelques gouttes de lotion sur... Un coton à déposer sans frotter sur la peau propre et démaquiller de votre visage et, ma... hein? Et démaquiller de votre visage jusqu'à l'absorption. Ce qu'il se passe sous le coton. On élimine les dernières impuretés et on affine le grain de peau. Merci l'acide hyaluronique et l'eau de riz connue pour hydrater. Et les extraits d'immortel pour resserrer les pores en cas de contact avec les yeux rincés. Ok, là c'est voilà, c'est tout ce qui est écrit après en machin. Alors, ah, c'est une odeur de je sais pas quoi, mais c'est une odeur. Bon, leur packaging voilà, toujours orangé. Voilà. Voilà, spécialement. Et c'est un, j'ai oublié de préciser, un 100 ml. Ça, de toute façon, ça doit être tout le temps des full size, je suppose, chez My Little Beauty. J'ai pas fait gaffe à un produit MAC, du coup. Et du coup, c'est un fard à paupières. Ok, ça peut m'intéresser. Donc voilà. Oh, mais la teinte, elle a l'air un peu claire, hein, nom de sa mère. Je pense que... Je pense tellement que... Ok, d'accord. Bon bah ça va finir en concours. Et oui. Là, de toute façon, ça sert à rien que je fasse quelque chose avec le... Voilà, c'est pas blanc par contre, ça je vous le dis que c'est pas blanc. C'est un beige très spécial, franchement. C'est vraiment un truc pâlot. Et déjà que moi je suis bien blanche, et bah c'est pas pour moi. C'est très bien pour les peaux plus mates en fait. Mais du coup, ça sera pas pour moi. Je le remets dans son packaging. Voilà. Alors, j'apprécie parce que c'est pas du rouge à lèvres. J'ai plus de voix. On a l'habitude de franchement avec les rouges à lèvres. Donc de recevoir les rouges à lèvres quand c'est en collab et tout ça. Donc là, je suis contente. On a enfin pas un rouge à lèvres. Et en plus, généralement, on reçoit tout le temps les mêmes, ah, les mêmes gammes, là, les mats, là. Enfin, c'est pas, pas... Ah, du coup, ils disent peut-être quelque chose sur Mac. Non. Et là. Et j'ai oublié de dire un truc sur le pinceau. Excusez-moi, du coup. Teint fluffy de rigueur. Sur une peau bien hydratée, vous pouvez déposer une fine couche de poudre pour fixer votre contouring ou harmoniser votre teint. Attrapez le très doux pinceau de votre box et enjoy le poudrage. Allez, ensuite, les joues pink comme le comme la roseraie. Même pinceau, plus de couleur, déposez votre blush en mouvement rond très haut sur la pommette, quasi au niveau du coin extérieur de l'œil. Nous, on l'adore bien pigmenté et rose bonbon. Par rapport à, c'est par rapport avec ça en fait, hein, mais bon. Ce qui est pas logique, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, bah, oui, voilà, c'est le dernier produit qui est avec la marque Tarte Cosmétique. Donc, du coup, on a reçu quoi, du coup? Un mascara, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Un mascara Man Eater. J'adore le packaging. Voilà. Ça fait fête. Franchement, ça fait fête.
Il y a le pinceau, ok, ça fait fête. Le packaging du mascara, ok, ça fait fête. Le reste, pour moi, ça fait pas fête, hein. Voilà. Non, mais soyons honnêtes. Voilà. Alors. Par contre, je testerai pas, mais. Voilà. Ça fait. C'est les petits picots, hein. C'est les petits picots. J'ai une manie, c'est de sentir, je suis désolée. Ah! Ah, ça va, ça n'a pas traversé. Ça sent. Ça sent pas forcément bon. Alors, qu'est-ce qu'ils disent sur ce mascara, du coup? Bon, on va parler déjà de Sephora. On vous offre un peu de tarte. Le masque à lèvres C.A. Deluxe Jelly Glaze de Tarte qui fait parler de lui dans les alcôves et est offert avec le code TARTX Meltbox. Offre non cumulée valable sur Sephora.fr pour tout achat d'un produit Tarte non cumulable valable sur Sephora.fr. Ah oui, pardon, j'ai fini. Pour tout achat d'un produit Tarte du 15 décembre au 15 janvier, bah non, dans la limite des stocks disponibles en plus. Ah, mais non, spécialement, non, non, non. Flashez le QR code pour profiter de l'offre, ok, d'accord. Et spécialement, non, non, hein. Des yeux à faire frémir la cour. Les Américaines gardaient le secret jalousement, mais on a réussi à mettre la main dessus chez Sephora. Le mascara oh, putain, Minuteur ou T, non mais je pense qu'on dit teur, de Tarte. Allonge les cils sans paquet et les déploie comme des papillons. Out, les extensions qui collent. Voilà. Spécialement, c'est le dernier machin. C'est le dernier truc. Par contre, bah, comme c'est une collab, attention, chaque fois que les. Voilà, on a une fameuse carte Mac préchargée de 15 euros. Voilà. Et je pense que c'est. Maintenant, ça va être que 40, à partir de 40 euros d'achat, je suppose. Alors, je vais lire. On goûterait bien à la vie de château. Décembre, c'est toujours un peu le bouquet final du feu d'artifice, la cerise sur le gâteau, l'highlighter sur un make-up mat. Bref, le moment de tout donner. Si quelqu'un sait rendre chaque occasion unique, c'est bien Mac. Ça, je veux bien le confirmer parce qu'à chaque fois. Comme je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une collab avec une box, voilà, ou qu'il y a Mac avec dedans, on a toujours une carte. Hein. Ça, par contre, c'est pas toutes les marques qui le font, ça. Voilà. Ils sont peut-être un peu chers, Mac, mais voilà. C'est. Hein, chacun a son avis après. Si quelqu'un sait. Pardon. Alors, ils ont le chic pour la jouer casual, métallique ou pailletée à chaque grand moment, les couleurs parfaites pour exprimer son style. Alors, forcément, on a glissé dans la box un fard à paupières beige doré, ah, d'accord, bon, il est vachement doré, qui tombe à pic. Coup d'éclat instantané sur un make-up de fête, tout est prêt pour clore cette année. Mais avant ça, retournez vite cette carte, on se retrouve à Versailles. ah merde, retournez la carte. On réveillonne avec Mac. Pour un mois de décembre en grande pompe, on ajouterait bien nos fards à paupières de la box, un mascara recourbant, un highlighter haute brillance et pourquoi pas l'un de leurs très fameux rouges à lèvres. Pour sauter le pas, Mac vous offre une carte cadeau de 15 euros valable en boutique pour tout achat ou sur le site Mac Cosmétique des 40 euros d'achat. Ça, c'était à prévoir. Voir aux conditions de la carte. Du coup, besoin de conseils, réservez votre leçon de magasin. On s'en bat les cacahuètes, donc je vais. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent du coup? Jusqu'à quand? C'est ça que je suis en train de chercher. Votre code unique pour profiter d'un. Ok. Du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022. Donc on a là jusqu'à la fin du mois de janvier. Bon, je vais faire ça. Ouais. Ok.
Carte strictement personnelle, valable sur tous les produits Mac. Ah, yes. 100 minimum, 100 minimum d'achat. Ah oui, mais quand tu vas chez la boutique. Voilà. Putain, c'est vrai. Et ben, en espérant que ça. Parce que ma soeur et moi, on a trouvé un truc. En espérant que ça. Je vais en prendre un pour moi, puis un pour elle. Donc, j'espère que. J'espère que ça va machiner, quoi. Bon, bref. Voilà. Et ben, on en a terminé. Du coup, c'est trop bien. Alors, un petit résumé. Alors, le pinceau qui fait fête parce que, bon, il est un petit peu doré. Ok. Voilà, ça fait pas du tout fête. My Little Beauty, ça fait pas fête. Mac, bon, elle est censée être dorée, mais bon. Où est le doré, quoi? Non, pour moi, hein, spécialement. Ça, ok, par rapport au packaging. Et puis ça, le cadeau. On va dire que c'est le cadeau Mac. Voilà. Cadeau Mac. Et par rapport au design de la box, non, ça fait pas du tout. Pas du tout. Voilà. Et du coup, si je fais un résumé des box là, alors Blissim, non. Enfin, faut être quand même. Voilà, non. C'est juste le côté neige qui fait que voilà. Voilà, non. My Little Box, non. Glossy Box, non, parce que c'est que Astral, c'est pas du tout. Le design était quand même Astral, et puis les produits dedans. Produits dedans, non. Franchement. Voilà. Et Gloria, bah Gloria, c'est pareil, quoi. Franchement, c'est pareil. C'est encore pire. Parce qu'on a, du coup, on n'a pas. On était censé avoir le tote bag qu'on recevra en janvier. Du coup, voilà. Mais, du coup, à part le rouge, ouais, qui faisait Noël, parce qu'on avait le choix encore entre rouge et bleu. Et, bon, moi, j'ai pris bleu. Mais, ok. À part le tote bag, ok. Mais, ils ont pas prévu de plan B. À part un produit en plus, mais le produit en plus, ça dépend pour qui, mais c'est des triplons et tout ce que tu veux. Et puis à l'intérieur, non, c'était pas full size du tout, donc non, non. En fait, j'étais beaucoup déçue de Gloria. Franchement, la plus décevante, c'est quand même Gloria pour moi. Entre les 4 box reçues, donc voilà. Et voilà. Et ben, on va s'arrêter là. Je vous aime. Oui, je vous fais des gros bisous. Puis à la prochaine. En attendant, si la box. Assez compliqué pour My Little Box. Mais, enfin, on le sait d'avance, si vous prenez un abonnement de My Little Box, elle est. On la reçoit très tardivement. Voilà. Ça, on le sait. Hein. Voilà. C'est pas nouveau. Donc, si ça vous intéresse, hein, par exemple celle de décembre ou les prochaines, on sait jamais. Voilà, et ben j'ai un code parrainage qui se retrouve en barre d'infos. Voilà. Et je vous fais des gros bisous et je vous aime. À la prochaine du coup, parce qu'il y a les produits terminés qui suivent. Ensuite, il y a quoi encore? Oh, il y a le débrief des calendriers de l'Avent. Enfin. Les vlogs, entre guillemets, les vlogmas sont pas terminés pour moi. C'est une blague, hein, on va dire c'est comme ça. Des gros bisous. Et à la prochaine!